C'est sympa hein, d'avoir DeMarcus Lassen en backup, en sortie de banc. Schalke-Audi, vieux Jean-Charles, DeMarcus Nelson à 3 points, il le met. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon de... Nicolas Lang. Ouais, Nicolas Lang, il n'est pas en réussite, hein, il a eu 3 tirs. Bien ouvert. Oh, et ballon sauvé par Jérémy Leleau et le dunk. C'est ça qu'on veut de voir. De Mame Jaïté. C'est ça qu'on veut voir chez Mame Jaïté. De l'agressivité, de la méchanceté pour finir au cercle et pour claquer un dunk. C'est vrai que parfois, les observateurs le trouvent trop soft. Hein. Un petit peu nonchalant, trop gentil sur les finitions. Et ben là, il est en mode playoff, ouais, Mame Jaïté. Paul Lacombe. Oh là là. Le travail. Il est de plus un pour Mame Jaïté. Quelle relation à taille. Joue-le au large, voilà. Grande vitesse. En mode buff. Oh, oh là là, il est monstrueux. Il est monstrueux, Charles Kennedy. Oh, ce physique. Avec lui, que de toute façon ils étaient tellement mal en début de saison que là franchement il n'y a pas de pression, qu'ils sont déjà contents d'être en demi-finale, qu'ils ont rééquilibré les comptes parce que quand même bah, ils ont dû payer deux coachs cette saison, m'a-t-il dit. Casper Weir, joli sur le retour de passe de Livio Jean-Charles, mais il est plutôt efficace et il en fait bonne. Et le contre en haute altitude de Livio Jean-Charles, et la Svel qui est passé devant grâce au panier de Livio Jean-Charles, et bien et le dunk. Non mais pas le dunk, oh, ils appuient sur la planche, la feignasse d'Harry Watkins. La belle contre-attaque, la course dans l'axe de Daryl Watkins. Et peut-être qu'il a été traumatisé par ces deux dunks ratés en quart face à Monaco. Là, il y a temps mort. Pourquoi il est super facile? Là, il y a temps mort, il faut utiliser le temps mort. C'est tout. On arrête là, je ne peux pas t'expliquer maintenant. Allez. C'est qui est appuyé à la franchise des Spurs. Qui... Ah, peut-être qu'il y a un peu plus d'académie. Un peu plus d'académie. Allez, Jérémy, tu ne peux pas lâcher un 0 sur 2 comme ça. Ouah, allez, allez. On le prend. Enfin, lui. D'accord. On comprend la frustration. Bien de... Oh, comment il peut louper ça, Matoard? Heureusement qu'il est là, Eric Murphy. Casper Weir. Oh, il reste 5 secondes. Ça défend. 5 secondes, le show de Casper Weir à 3 points. Ça prend le match à son compte un petit peu. Ouais. Et on sait qu'il peut le prendre à n'importe quel moment, mais là, il est dans le dur. Il est dans le dur face à Casper Weir. Oh, oh, quel shoot incroyable. Égalité 70 partout à 2-20 de la fin. On va se régaler. Et Mame Jaïté qui marque! Et Bourrifon! Casper Weir. Oh, qu'il est chaud cette possession. Ouais. Il est court et le rebond offensif. Temps mort devant son collègue. 72 partout, le dernier ballon du match. Ballon du match dans les mains villeurbanaises avec Charles Cahudi. Et 8 secondes à jouer, c'est parti. Casper Weir qui met à l'intérieur. Et le panier pour Livio Jean-Charles. Il reste 3 secondes. 3 secondes à jouer. Quel panier. Et Casper Weir. Livio Jean-Charles, 14.9 rebonds. Ce coquin Casper Weir. Quelle lecture sur la descente de Livio Jean-Charles. Deux joueurs étaient sortis sur Casper Weir. Ils vont surtout chercher le shoot ouvert. On va voir. C'est parti. Eric Murphy, ils sont loin du cercle. Le shoot, le slotter. Oh, non, c'est raté. Et ils l'ont fait. Il a pas bien fait.